créée en 1992, notre société, ASI Prod, est implantée en Loire-Atlantique, mais également en Maine-et-Loire. Elle offre un panel de services variés, des travaux de conditionnement, de filmage ou encore de décortiquage. Nous avons une activité de blanchisserie industrielle, de la fabrication de palettes. Nous réalisons du déconditionnement en secteur agroalimentaire. Enfin, nous réalisons du façonnage papier. L'entreprise ASI Prod n'a cessé de se développer, passant de 18 salariés en 1992 à 350 aujourd'hui. Notre entreprise adaptée, ASI Prod, a pour mission l'intégration des personnes en situation de handicap en valorisant leur potentiel, mais aussi en les responsabilisant tout au long de leur carrière professionnelle. Le projet qui nous a été présenté par les étudiants était un projet qui correspondait pleinement à cette exigence, puisqu'en effet, nous pouvions réaliser un travail par de l'assemblage de pièces pour créer de l'emploi, mais aussi une dimension plus sociale de ce projet était intéressante puisqu'elle permettait d'améliorer les conditions de travail des personnes en situation de handicap, un élément social qui est très important pour notre entreprise. Au départ, nous avons été contactés par 4 élèves ingénieurs de l'ICAM qui avaient développé un projet dans le cadre de leurs études et qui souhaitaient le présenter au concours Handi-Tudiant organisé par HTS. Lorsqu'ils nous ont présenté le projet, nous avons été séduits par le dispositif et par le groupe d'étudiants et donc nous sommes engagés avec eux à présenter le projet en partenariat. Ce projet nous est venu en quatrième année de formation d'école d'ingénieurs où on s'est regroupé 4 étudiants avec une volonté forte d'avoir un impact social auprès des personnes handicapées en leur apportant de l'autonomie. Alors avec ASI, on a des réunions toutes les 2 semaines et on en fait un rapport hebdomadaire pour les tenir informés de notre avancement du projet. On était 4 et les 3 premiers ont fait la première période de mémoire à l'ICAM, donc de septembre à février, et j'ai pris la suite avec Anthony. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a un prototype 2 qui est fonctionnel et fiable et qui va pouvoir être industrialisé. Nous en sommes à la deuxième phase de prototype, donc dans un mois, on aura un prototype qui sera, nous l'espérons tous, commercialisable. Ensuite viendra toute la partie développement industrialisation pour lequel nous sommes actuellement à la recherche de fonds. La dotation HTS a permis de financer le partenariat avec l'ICAM ainsi que la réalisation des 2 prototypes.